Si nous menons un calcul identique au précédent, mais en l'affinant un petit peu, tout en restant dans un modèle très simple, nous prenons en compte seulement les trois premières couronnes d'interférence, mais nous faisons le calcul de la distance entre le terminal et la station de base interférente de façon un peu plus précise pour différentes tailles de motifs. Donc, nous avons considéré ici K égale 1, 3, 4, 7, 9. Et nous avons considéré en bleu le cas R égale R max, c'est-à-dire que la hauteur de la barre nous donne le débit minimal. Nous avons fait le calcul pour R égale R médian, à la distance médiane. Donc la hauteur de la barre, la hauteur totale de la barre rose et bleue nous donne le débit médian. Nous voyons que plus la taille de motif est grande, plus le débit médian et le débit minimal diminuent, ce qui est ce que nous avons obtenu avec le calcul simplifié, mais comme ce sont des grosses tailles de motif, la simplification que nous avons faite est justifiée. Si nous réduisons la taille de motif, nous voyons que le débit minimum n'est pas le plus grand pour K égale 1, mais pour K égale 3. En revanche, le débit médian est le plus important pour K égale 1. Cela veut dire que pour les utilisateurs qui sont à une distance plus faible que le débit médian, ils vont avoir un débit qui va être d'autant plus important. Ce qui est logique, puisque dans l'équation que nous avons ici, nous voyons que le fait d'utiliser une taille de motif grande va diviser par K la bande qui est disponible pour tous les utilisateurs de la cellule. Si nous utilisons une taille de motif 1, ils vont donc pouvoir disposer de la totalité de la bande dans la cellule. Ceux qui sont loin de la station de base vont être défavorisés. Ceux qui sont proches de la station de base vont pouvoir à plein profiter du débit important. Ils vont avoir un C sur I élevé, donc le facteur log en base 2 de la suite va être élevé. Ils vont pouvoir avoir une bonne qualité de service. Donc la tendance dans les systèmes modernes est d'utiliser une petite taille de motif. C'est ce que nous allons voir dans les systèmes de 3e et de 4e génération.